Bonsoir, je viens vous présenter un petit Lenormand. Donc c'est clair de lune Lenormand. Donc il est présenté dans une boîte en fer. Moi j'ai collé la petite lune qu'il y avait sur le papier cadeau. J'ai collé à l'intérieur. Vous pouvez également la mettre au dos si vous voulez la conserver. Donc c'est la petite carte donc de la créatrice du jeu qui s'appelle Luna Solar. Voilà, la boutique est sur Etsy. Donc vous avez une feuille à plier en trois et des explications en anglais. Voilà, vous avez juste des... Je vous montre les mots-clés. Voilà, ça se présente comme ça. Et au dos, moi j'ai pas traduit, hein, je vous dirais. Les Normands, ils s'interprètent tous à peu près de la même manière, hein, de toute manière. Donc voilà. L'intérieur est ainsi. En fait, c'est une sorte de petit velours rouge à l'intérieur dans la boîte en fer. Bon, moi, j'ai mis les tranches en noir parce qu'elles étaient blanches. Donc voilà. Et donc c'est un jeu qui est très sombre, donc forcément pour, au clair de lune. Donc surtout en... Enfin, ça a une dominance noir et blanc. Mais il y a des petites touches de couleur. Donc là c'est plutôt en jaune, légèrement jaune. Ensuite vous avez la robe là qui est légèrement bleuté. Et voilà, c'est très discret. Alors, comment on va faire? Donc, vous avez le cavalier, donc la première qu'on a vue. Le dos, c'est la lune que j'ai collée au dos du coffret. Voilà, dans les tons bleuté, jaune et noir. Voilà, comme ça, peut-être que ce sera mieux. Le trèfle. Le navire ou le bateau. La maison. L'arbre. Par contre, vous n'avez pas les correspondances en cartomancie. Mais bon, moi, je m'en sers pas des correspondances en cartomancie, comme le 3 de pique, le roi de carreau. Enfin, tout ça, j'en connais pas trop la signification pour le moment. J'en suis pas encore là. Bon, j'ai pas mal de Lenormand, mais c'est vrai que j'ai pas encore approfondi le sujet. Donc, Claude, je crois que c'est les nuages. En plus, il est pas français. Hein. Le serpent. Le snake. Le cercueil. Le bouquet. Bon, là, c'est plus simple, hein, bouquet de fleurs. La faux. Le fouet. Les oiseaux. L'enfant.
Le renard. Renard. Il filou, il a voulu se partir. Beau petit renard. L'ours. L'étoile. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. Ou le parc. La montagne. Ou le mont. Les chemins, ou la croisée des chemins. Alors là, c'est les souris. Le cœur. L'anneau. Le livre. La lettre, là, vous avez l'homme, vous avez la femme pour le consultant ou la consultante, je vais vous laisser là, tu ne manges pas Angèle, hein, touche pas, hein. Élise. Le lys, il n'y en a qu'un. Soleil. La lune. La clé. Le poisson. Je cache le chiffre avec mon doigt. Allez. L'encre. La croix. Et vous avez une deuxième carte homme. Pas le fil assez long et une deuxième carte femme. Donc dans le jeu, je pense qu'il vaut mieux choisir ceux de face pour les consultants. Et vous en avez deux autres, donc l'homme et la femme, soit qui se tournent le dos, soit selon les tirages qui peut être face à face. Après, hein, vous choisissez comme bon vous semble. Après, ça peut être les couples de même sexe, deux femmes, puis deux hommes. Voilà. Bon. Que vous dire de plus? Bon, c'est un jeu donc à acheter sur Etsy. Les cartes sont bien quand même. Hein. Bon, elles sont pas très épaisses, mais elles sont pas trop. Tiens, hop, il cherche à quelque chose. Elles sont quand même assez rigides. Ça va, elles sont pas toutes molassonnes. Bon, elles sont taille. Taille des cartes normand assez petite. Tu veux? C'est mon doigt, tu veux? Mon petit gros. C'est mon amoureux celui-là. Oui, c'est mon amoureux.
pris. Attendez, comment ça se replie cette affaire? Hop. Voilà. Après, si vous débutez pour le normand, si vous souhaitez des explications supplémentaires, il y a des livres en français qui se vendent à part sur le normand, hein. Pas rester figé sur l'anglais et le peu d'explications qu'il y a, ou sinon vous avez des traducteurs pour les mots-clés. Voilà, donc c'est possible. Si vous faites de l'œil, n'hésitez pas. Je sais pas jusqu'à quand il sera commercialisé. Puis voilà. Bon, mais je vous remercie, puis je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo.